Je pense que la recherche de la paix du monde et de ses progrès passe par la mise en place d'une institution mondiale de gouvernance. Nous avons fait ça au niveau de l'Union européenne. Et grâce à cela, depuis 50 ans, nous n'avons plus connu de guerre. Il faut le faire au niveau mondial. Parce que certes, l'ONU s'occupe des questions de paix, mais nous n'avons pas d'organisation gouvernementale qui traite systématiquement et régulièrement de tous les problèmes du monde économique, politique et sociaux. Et c'est ça qu'il faut mettre en place avec donc un Parlement mondial et un gouvernement mondial. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour dire que c'est faisable. Tout est faisable. Et certes, nous ne pouvons pas aujourd'hui transformer l'ONU parce qu'il y a des blocages au niveau des États-Unis, au niveau de l'impossibilité d'avoir de majorité qui permette de modifier les statuts. J'avais essayé de le faire avec Kofi Annan, on n'a jamais réussi. Par contre, on peut réussir à regrouper un certain nombre de pays, je dis une quarantaine de pays dans le monde qui aimeraient travailler ensemble de cette façon. Et je rappelle que l'Union européenne a commencé par 6 pays, 3 petits et 3 grands. Et ils ont fait une communauté qui est devenue la grande communauté des 29 membres. Les Nations Unies ont commencé avec 40 pays et c'est devenu ensuite l'organisme avec 199 pays. Alors je dis maintenant, pour ce projet, commençons par un nombre de pays de bonne volonté pour mettre en place une institution de cette nature.